Coucou, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, donc session carpe au lac du Val-Joly. Regardez, magnifique décor. Pratiquement pas de vent. Bon, le temps un peu mi-figue, mi-raisin. Il fait 17 degrés. Quelques gouttes par moment. Et en même temps, donc je vais vous expliquer. Donc avant la mise à l'eau de ceci. Mais montage, alors premier montage, enfin, les deux sont similaires bien évidemment. Alors là je pêche à la bouillette, alors comme vous voyez, lancé simple, 3,60 m avec anti-mêleur, un plomb pour moi, on va dire 30 grammes suffisent, arrêté par deux plombs, vous voyez, où j'ai fixé un émerillon et un bas de ligne, bien évidemment fait par mes soins, hameçon numéro 4, voilà, légèrement renversé, où j'ai fait ce qu'on appelle un cheveu. Ce cheveu n'est pas très très long, bien effectivement il est adapté à la taille de ma bouillette, voyez, et pour maintenir le tout, pour dire que tout soit bien reposé au fond de l'eau, donc mon fil toujours devant la boucle, j'y fixe un tout petit morceau d'anti-émêleur fixé par dessus. Et vous voyez, ma bouillette n'est pas collée là, puisque si elle est collée là, bon, bah, le poisson, vous allez le rater. Légèrement en dessous, pour un petit effet pendule, où je viens fixer sous ma bouillette, donc là, sous mon cheveu, j'ai une boucle, un stop bouillette, pour arrêter celle-ci. Voilà. Vous voyez, il y a déjà de l'activité. Bon, bien entendu, j'ai pris que deux cannes, puisque vous voyez, bon, si je mets trois cannes, ici vous avez quand même une bouée. Le but, c'est pas forcément d'emmêler les lignes ou qu'il y ait un départ et que ça part dans la bouée. Il faut être extrêmement rapide. Voilà, allez, vous voyez, taille du bas de ligne, bon, environ 40 cm, c'est amplement suffisant. Voilà, mon fil corde ligne 5,5 kg, pour moi c'est suffisant. Ça ne sert à rien de mettre du fil 6 ou 7 kg, le moulinet est là pour vous aider. Il y a un frein et tout, c'est forcément, il faut travailler avec le frein. Voilà, alors bon, ben, on va commencer par deux lignes, donc pour l'instant à la bouillette. Tout à l'heure, j'essaierai peut-être au maïs, et je n'ai pas non plus oublié dans mon sac les fameuses fraises des bois que j'ai été cueillir lors d'une dernière vidéo. Allez, bon, j'ai pas lancé très très loin de la bordure, hein. Ça ne sert à rien, le poisson n'est pas forcément au milieu du lac, hein. Voilà, je fais ça, je desserre mon frein. Fixer ça sur mon repose-canne. J'y mets mon détecteur
en route un écureuil. Voilà. Voilà, c'est parti pour la première ligne. Disons que je vais fixer la deuxième. Et puis, ben on va patienter. Voilà. Allez, je remets en route après. À tout à l'heure, les amis.